Alors ça doit t'avantager un peu. Oui, mais je le fais quand je ne devrais pas. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, ça va t'avantager alors que c'est dans un jeu de points, c'est pas forcément... Mais toi, tu dois savoir faire aussi que stopper. Oui. L'idéal, c'est pas le plus évident, mais c'est de ne pas jouer avec tes 5 doigts. Tu vois, parce qu'en fait, elle va devoir te sortir un petit peu de droite. Si tu fais ça, ça veut dire que plus tu la gardes en pleine main, plus tu vas devoir te mettre ton bras. Tu vois, elle doit sortir un peu comme ça, bon. Alors que si tu la tiens déjà avec 4 doigts, ton geste il doit être beaucoup moins onduleux. Elles sont pas mal jouées du tout. Hein. On voit que le geste, mais et alors c'est ce que je disais. Hein. Il y a de la grenaille, ça n'aide pas à ce qu'on le comprenne correctement. Il va falloir, mais c'est normal, hein. C'est pas compliqué. L'effet des deux, c'est le plus compliqué. C'est celui qu'on ne joue jamais. Un effet sortant, c'est très rare quand on doit le jouer. Donc, il est bien compliqué. Déjà, si on arrive à rester dans une zone qui est à 20-30 degrés, c'est bien joué, ça. Non, on gère, tu ne te tracasses pas, il a mis un chrono, il a fait tourner comme ça. Oui, ça va manger de l'eau, je m'en avance. Non, mais pas trop, c'est droit. C'est gentil, mais merci. Ouais. Vas-y. Oui. Mais montre-lui un petit peu, peut-être, parce que c'est l'effet qui n'est pas évident. Voilà. Mais il est dur. Ouais, c'est ça, Guy. Mais il est pas évident, hein, celui-là.